Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma locomotive Crocodile Lego. Et tout d'abord, un peu d'histoire sur cette petite merveille. Les crocodiles sont des locomotives électriques, ainsi appelées à cause de leur forme et probablement de la livrée verte des unités mises en service en Suisse. Quelques années après l'introduction, en 1919, du modèle de couleur brune. Ces locomotives sont articulées. Ils sont équipés de deux châssis moteurs de traction et trois essieux entraînés par une bielle motrice et des bielles d'accouplement. La section centrale qu'on voit à l'écran comporte le système pour capter l'électricité à l'aide de deux pantographes en forme de losange de type G. Elle contient aussi les deux cabines, une dans chaque sens de la locomotive. Comme je l'ai dit au début, ces locomotives ont circulé en Suisse par la compagnie des chemins de fer fédéraux. Remonte au modèle de BE68 et CE68. Ces locomotives ont été mises en service en 1919. Elles montaient en 1650 kW. Ils permettent de tirer des trains lourds de marchandises sur la ligne de Gotthard, entre Lucerne et Chiasso. En 1954, une nouvelle locomotive plus puissante remplace petit à petit les crocodiles. C'est la AE66. Il faudra attendre jusqu'en dans les années 80 pour que ces locomotives cessent de circuler. Je vous invite grandement à regarder la vidéo de Chrominance qui avait fait une vidéo dessus. Maintenant, je vous laisse regarder ma vidéo sur la construction de cette locomotive en Lego. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.